La période des tests hivernaux et des essais est terminée et c'est maintenant que tout va se jouer sur le tracé de l'Albert Park. Ce circuit est l'hôte du Grand Prix d'Australie depuis 1996 et accueille cette année encore la première manche du championnat du monde de Formule 1. L'incomparable circuit de l'Albert Park est situé au sud du centre-ville de Melbourne. Le circuit compte 5 km de voies publiques, bien entendu fermées à la circulation durant le week-end du Grand Prix. Cette piste très bosselée comporte 16 virages et offre quelques possibilités de dépassement, notamment grâce aux zones de DRS aux virages 1 et 3. Je me demande quelles stratégies ont été adoptées par les écuries aujourd'hui. Le milieu de peloton va-t-il tenter un arrêt au stand tôt dans la course pour tenter de perturber les leaders ? Vous savez, en milieu de peloton, il faut d'abord penser à sa propre course. Et je ne pense pas qu'ils aient prévu d'essayer de mettre la pression au top team. Par contre, je ne serais pas étonné de voir des stratégies doubles. Si vos pilotes sont en deuxième et troisième position, par exemple, il est possible de faire rentrer une monoplace pour tenter un undercut et laisser l'autre poursuivre le leader pour le pousser à l'erreur. Avant de commencer, jetons un coup d'œil à la composition de la grille de départ de la course du jour. Romain Grosjean part en pole position et Valtteri Bottas complète la première ligne. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Hamilton, Ricciardo, Max Verstappen et Vettel, Ocon, Stroll, Iceman et Lando Norris, Raikkonen, Russell, Alexander Albon et Giovinazzi, Giotto, Leclerc, Jordan King et Kevin Magnussen. Kvyat et Pierre Gasly héritent de la dernière place sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez bien entendu aujourd'hui pour ce Grand Prix d'Australie. Sixième épreuve de cette saison 2 du pilote RP, les 5 feux vont s'allumer et s'éteindre. Et c'est parti pour ce Grand Prix d'Australie. Mon coéquipier part en pole, mais il va se faire attaquer par les Mercedes, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai pris un assez bon envol pour conserver ma 9e position. Je vais essayer de faire l'extérieur sur pas mal de monde ici. Et on a gagné 2 positions. En vrai, c'est bien, c'est bien. On est côte à côte avec Noctawa et Nixam qui attaquent Rubens Moreau. Et je crois que mon coéquipier a réussi à maintenir la tête de course sur Fox. Il tente le 3 de front. Et déjà le crash dans le 3e virage. Et il y a un bout d'aileron qui a pété. Il y en a d'autres qui sont envolés. On l'a vu dans le fond de l'écran. Et la Red Bull de Nixam qui réussit à conserver sa 4e position. J'ai failli faire le triple dépassement. Mais j'aurais fait un double dépassement et ça c'est quand même pas mal en vrai quand il pense. Il y a la bataille derrière hein, aussi, avec les McLaren, Octavoy à droite de front. Et il y a Franglais qui part en tête à queue derrière. Franglais qui part en tête à queue et VSC qui a été envoyé. Bah dis donc, c'est très extrêmement animé ce début de course. Alors on va voir tout ce qui s'est passé avec Corey Fox qui venait de loin, qui s'est dit vas-y je vais faire le plus gros dive-bomb l'année. Il était parti sur un quadruple dépassement là, il s'est complètement foiré au freinage là, il a cassé son aileron, c'est par sa faute hein, vraiment qu'il a ruiné sa course, c'est extrêmement con. Oh, et en plus ça a cassé l'aileron de jambon, bah, il était complètement en sandwich entre Nixam et Fox, il pouvait absolument rien faire pour éviter le crash. Et Nixam qui c'est le plus chanceux de tous hein, parce que il aurait très bien pu lui aussi se retrouver avec une suspension cassée ou quelque chose, mais non, ça a tapé le flanc. Donc, lucky en vrai. Nixam qui s'en sort bien. Et on a ici la bataille à 3 de front avec Paul van der Ven qui tente la 3ème ligne. Alors déjà, il tape Franglais au freinage. Il a loupé son freinage et il insiste en faisant la 3ème ligne. Non, mais. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça? Alors déjà, t'as Franglais qui est pas vraiment à hauteur de Santino et puis. T'as Paul van der Ven qui tente la 3ème ligne, déjà qui tape Franglais au freinage pour faire sa place. Non mais on est où là? C'est quoi ça? C'est le Far West ou quoi? Santino, il a dû voir il a dû voir ça, il a dû avoir peur. Hein. Mais c'est bon, il a tenu le coup. Et VSC qui va s'en aller et on est reparti à nouveau. Et ensuite toujours Nixam qui s'est un petit peu loupé à la réaccélération. Mais ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le doubler cette fois-ci. Je vais rester dans son aspiration pour essayer de rattraper les pilotes devant qui vont peut-être se battre pour la tête de course. En tout cas, c'est la stratégie. On voit Fox et Jambon du coup qui rentre au stand. Noctawa qui résiste au McLaren comme il peut. C'est McLaren qui semble de plus en plus rapide, hein, n'empêche. Hein, pour s'attaquer à la Renault comme ça, franchement, si t'avais dit ça la saison dernière, que les McLaren pouvaient s'attaquer au meilleur, sur le rythme, franchement, on n'y aurait pas forcément cru. Et on a ici également Louis Chardon en lutte avec Mysterion, côte à côte. Et la Red Bull, non, c'est Sauber qui va faire l'extérieur, qui va garder l'avantage. La place, non, les deux sont toujours côte à côte. Il y a aussi un côte à côte entre Belinda et Williams.
et Mysterion qui prend l'avantage sur le reste de ce paquet. Et on est toujours à la poursuite de Nixam parce que comme je l'ai dit effectivement, ce que je vais faire c'est que je vais rester blotti derrière lui, profiter de son aspiration et ça a l'air de marcher, hein, regardez, hein, on est en train de rattraper les trois devant petit à petit et alors qu'il y a un abandon, je crois que c'était Benjamin Knox, on va voir le replay, bah, c'est le moteur qui a explosé malheureusement pour Benjamin Knox. Alors déjà d'avoir une voiture qui n'est pas forcément très bonne, ils ont des problèmes mécaniques, ouais, c'est compliqué, hein, Toro Rosso. Pas se mentir, peut-être qu'ils auraient besoin d'aide de la maison mère Red Bull, enfin, on ne sait pas trop. Alors qu'il y a ici Louis Chardon qui se défait enfin de Colin Mysterion et qui va tenter de se défaire de la McLaren devant lui. Alors que nous, on fait toujours notre petit train, hein, on suit toujours notre chemin ici. Et mine de rien, on rattrape, hein, ce devant, hein, ça marche. Hein, la stratégie que je fais, que j'emploie, est actuellement en train de marcher. Et je vais décider maintenant de faire l'undercut. Ça y est, j'ai décidé de nous séparer de Nixon qui m'a carry un peu. Hein, dans cette bataille, et maintenant je vais tenter le coup de l'undercut, je vais mettre les médiums et je vais pousser au maximum pour pourquoi pas tenter de prendre la tête de la course, hein. Oui oui, un undercut c'est aussi fort que ça, donc je me suis dit ça y est, c'est le bon moment pour tenter de pousser sur des pneus neufs et pourquoi pas tenter de prendre la tête. En vrai là, la stratégie qui marche du feu de Dieu, alors mon coéquipier Guillaume ici, il tient vraiment le coup en vrai, hein. Il tient le coup en tête, hein. Je pensais qu'il allait genre descendre parce que c'est bien le truc de Toyota de faire des bonnes qualifs, surtout avec Guillaume Sub, genre faire des bonnes qualifs et descendre en course. Là, la Toyota a l'air de tenir, elle a tenu en tête tout le long, hein, donc la Toyota devient meilleure, et ça c'est un énorme bon signe. On va voir si mon undercut a fonctionné d'ailleurs, voilà. Toyota, c'est qui sont les seuls, hein, d'ailleurs, à faire rentrer leur pilote aussitôt dans la course, puisque personne d'autre ne rentre au stand. Donc, mon équipe a très bien compris le potentiel de l'undercut, et Guillaume qui va ressortir, et il ressort derrière moi, donc je suis virtuellement en tête de course, et ça a l'air d'être un doublé Toyota, hein, qui se profile, et ça serait absolument incroyable, franchement, la bonne lancée de Singapour là qui nous a mis bien, hein, dans ce peut-être se relancer pour le titre, who knows, on sait jamais, hein, ça se trouve, si on est aussi régulier que ça dans les bons points, dans les bonnes positions, dans le podium, ça serait exceptionnel. On voit ici les autres pilotes rentrer au stand, donc Thibaut Nixam et Kevin Bedel, et Kevin qui repart derrière Nixam, très bon arrêt de Red Bull qui lui permet de jump la Renault, et ça c'est très important évidemment pour le championnat, parce que Kevin c'est le leader du championnat, et c'est très important de se retrouver devant lui si on veut jouer le titre avec. Et le doublé Toyota effectivement, 1 et 2 sur la piste, Timoun 3ème devant Nixam 4ème et Kevin 5ème, et on a ceux qui sont arrêtés premier tour, alors forcément ils ont fait un énorme undercut, oula la McLaren, la McLaren qui s'est fait tamponné par Jambon, terrible. Rip la McLaren qui s'est fait envoyer en tête à queue par Jambon. Ça c'est la mésentente là entre les deux pilotes. Donc je disais oui avant de me faire couper par cet incident. Bah Fox et Jambon, ils ont fait un énorme undercut parce que oui ils sont arrêtés genre des premiers tours. Mais le problème c'est qu'à la fin de la course ils vont avoir beaucoup de problèmes de pneus. Noctawa au stand ainsi que tous les autres qui sont pas encore arrêtés. Qui sont soft bien sûr, bon après ils vont se retrouver un petit peu plus loin, mais ils auront le capital pneu pour revenir dans le game. Et Kevin qui est bien revenu sur Nixam, mais il n'arrive pas à le doubler, hein. Il est bloqué derrière. Il n'arrive pas à faire quelque chose, et Noctawa qui va ressortir en 6ème place dans un no man's land complet. Et Ray Fox qui va ressortir 7ème. Et de Mister Blue qui ressort devant la Mercedes de Rubens Moro, et ça c'est capital. Ici, les autres qui ressortent des stands. Go McTavish à l'écran. Et on a tous les autres derrière. Et puis moi qui mets tranquillement mon train. Ici, on a Mister Lui qui met la pression au Ray Fox. Forcément, il a ses pneus depuis le premier tour. Ça commence à devenir galère. Hein. Pareil pour Jean-Marc qui est en train de se faire pressuriser par les gens derrière. Et Richard Long qui va ne faire qu'une bouchée de cette Ferrari probablement. Et voilà qui est fait. Et Jean-Marc qui, pour l'instant, maintient sa position. Malgré le train extrêmement énervé derrière lui, composé de la Sauber de Mysterion et Santino Andreoli avec son Alfa Romeo qui se retrouve là, hein. Quand même, faut le certifier, hein, Santino, vraiment, il surperforme sa voiture. Franchement, c'est exceptionnel qu'il se retrouve là avec cette charrette qu'est l'Alfa Romeo. Et Mysterion qui va peut-être se décaler sur Jambon. Non, ça va rester derrière pour l'instant. Il y a une bataille entre Romain FRK et Benida, je crois, c'est ça, par l'extérieur. Les deux qui sont côte à côte, Mysterion et Jambon qui sont côte à côte aussi.
Et est-ce que on va pouvoir tenir avec ces pneus extrêmement usés? On va se faire envoler par l'extérieur, hein, probablement. Et il y a un 3 de front derrière aussi. Oh le bordel. Le 3 de front avec Kane Bennington et Romain FRK. Incroyable. La Williams qui a lâché. Il s'est dit oulala. C'est code marron. Il y a des batailles un petit peu dans tous les sens. Là, c'est beau à voir. Effectivement, je bégaye un petit peu parce que mon cerveau va plus rapidement que ma voix. C'est un petit peu bordel. Mais ça défend dans tous les sens. Franchement, c'est beau à regarder. Et la Ferrari qui repasse devant cette McLaren. Alors que la Williams de Tobinio vient de passer devant Santino Andreoli aussi. Ça se bat dans tous les sens, c'est beau. Et la Ferrari de Ray Fox sera la prochaine cible, forcément, de la Sauber de Mysterion, qui va probablement en faire qu'une bouchée. Et regardez l'écart, hein, qui s'est formé entre deux Mister Louis et Fox. On ne le voit même plus à l'écran. Hein. C'est pour vous dire à quel point ils sont lents, avec leurs pneus complètement détruits. Oh, il a une belle perte de la voiture. Il a réussi à bien la maîtriser. Malgré tout, les deux qui sont côte à côte, j'en manque un profit pour récupérer une position. Et Tovigno et Santino toujours côte à côte. Et l'Alfa Romeo qui va leur passer. Wait, what? L'Alfa Romeo qui va leur passer peut-être. Ouf, l'extérieur dans le dernier virage. Et ça va prendre l'aspiration pour la Ferrari, qui est peut-être la troisième ligne. Non, il va se tenir derrière la Ferrari. Honda pour l'instant. Et Santino et Tovigno toujours au côte à côte. Incroyable. Les deux qui ne lâchent absolument rien sur ce coup-là. Et là, Williams qui va prendre l'avantage forcément. Meilleure voiture en ligne droite. Et Belinda qui va faire l'extérieur sur Santino. Est-ce que la Ferrari va pouvoir passer devant l'Alfa Romeo? J'ai l'impression que... Non, pas du tout. J'allais dire j'ai l'impression que oui, mais non. Alfa Romeo résiste. Franchement, superbe ces batailles-là. Franchement, j'espère que vous avez bien kiffé. Alors qu'ici, le top 5 s'est bien réuni, puisque mes pneus, ils commencent sérieusement à s'écrouler. Et Timo qui est en train de mettre la pression sur Guillaume, qui a failli tenter. C'est passé vraiment extrêmement proche avec mon arrière. J'ai un petit peu fermé, mais... C'est vrai que c'était un petit peu risqué, hein, et imagine l'accrochage entre coéquipiers, ça aurait été extrêmement con. Mais non, c'est bon, tout va bien. On maintient notre 1 et 2 pour l'instant, mais le top 5 est bel et bien réuni. Guillaume qui défend sa position face à Timon, effectivement, c'est problème de l'undercut, hein, c'est ça. C'est les pneus qui s'usent plus vite, forcément, parce que ça aurait été avant les autres. Guillaume qui me revient à l'aspiration, il va tenter le coup cette fois-ci. Côte à côte avec mon coéquipier, ça passe extrêmement proche, mais c'est propre, ça reste devant pour l'instant. Et ouais, ça tient pour l'instant, ça tient. Mais derrière, ça commence à sérieusement s'impatienter, ça bouge dans tous les sens. Il va y avoir probablement 2 voire 3 de front au freinage là. Il y a tout le monde qui est bien réuni là sur ces derniers tours, ça va s'enflammer, possiblement. Ouais, il va me prendre l'aspiration. Et il est rapide en ligne droite, on a la même voiture et il me rattrape extrêmement vite en ligne droite. Je sais pas si c'est que l'aspiration, mais si c'est que l'aspiration, franchement, c'est overpété. Hein. Et Guillaume par l'extérieur. Les deux Toyota qui... En fait, on bouche la piste. Hein. En fait, c'est smart parce qu'on bouche la piste et on empêche les autres de passer. Et Guillaume qui va tenter de prendre le lead quand même. Mais non, ça ne passera pas. Je refais l'extérieur. On va tenir. Ouais, ça tient pour l'instant, mais on sort un petit peu large. Et il va décroiser dans le virage et ça se bouge dans tous les sens. Il y a aussi côte à côte avec Red Bull et la Mercedes derrière. Et mon coéquipier qui m'a bien eu sur ce coup avec ce magnifique décroisement. Et il prend la tête de la course et derrière ça bouge. Entre Nixam et Timoun aussi pour la troisième position. On va voir le replay de ce magnifique dépassement bien construit là. Déjà, il tente l'extérieur. Il vient un petit peu m'embêter pour m'empêcher de prendre la trajectoire déjà. Sauf que je maintiens la position quand même, et je suis obligé de me retrouver à l'intérieur, et il a très bien compris. Je suis sorti de la piste parce que j'ai voulu tenter de prendre le virage à fond malgré tout, et c'est ça qui m'a fait un petit peu échouer dans ma mission. Et du coup, Guillaume a bien vu ça, il a pris la tête. Et maintenant, on a Nixam et Thibaut qui sont côte à côte pour ce podium. Les deux pilotes qui se battent pour le championnat aussi, hein, face à Kevin, c'est très important de rester devant l'autre. Et les deux qui sont toujours côte à côte, ils lâchent absolument rien, c'est magnifique. Hein. Franchement, il y a des belles buts hein, sur ce circuit de Melbourne. Et est-ce qu'il va tenter l'extérieur? Ouais, c'est un petit peu trop loin. Et la Red Bull qui prend l'avantage sur la Mercedes. Alors qu'on va faire l'extérieur ici, sur Guillaume qui a freiné un petit peu tôt. Alors c'est moi qui ai freiné extrêmement tard. En tout cas, on va profiter de l'opportunité par l'extérieur. Et ça a l'air de tenir peut-être. Non, Guillaume est toujours là par l'extérieur. Et le côte à côte... Et on tient bon pour l'instant face à la Toyota. On a réussi à reprendre la première position. Et attention, c'est passé très très proche avec mon coéquipier encore une fois. On n'est pas passé loin de l'accrochage. Ça y est, ça bouge dans tous les sens.
Et Kevin VDL qui arrive, qui dépasse Timoun, qui a dépassé Nixam, est-ce qu'il va dépasser mon coéquipier aussi? Le triple dépassement, incroyable. Triple dépassement. Cette Renault, elle est rapide en hydro. Et il va me dépasser. Il va venir tenter de me dépasser aussi. Guillaume qui tente la troisième ligne, mais qui se rétracte. Mais Kevin qui sort de nulle part pour tenter le triple dépassement. Incroyable, putain. Cette Renault, c'est un missile. Cette Renault, c'est un missile. On va voir le replay. Allez, ça fait une voiture de dépasser. Il prend l'aspiration sur la Red Bull. Deuxième dépassement. Et puis un troisième dépassement au freinage. Voilà. Incroyable. La vitesse de pointe de cette Formule X, c'est n'importe quoi. Il a failli faire un quadruple, mais j'ai quand même tenu la position. Et maintenant, il va falloir résister à Kevin sur ses derniers tours. Et ça va être compliqué, parce qu'il est déjà sur moi, regardez ici. Et on va résister par l'extérieur. Voilà qui est fait. Est-ce qu'on va pouvoir tenir deux tours et demi face à cette Formule X Renault qui semble extrêmement rapide sur cette fin de Grand Prix? J'ai des pneus qui sont deux tours plus usés hein, que les siens aussi, pour rappel. Donc ça va être d'autant plus dur. Hein. Et on est 6 maintenant pour la gagne. Ottawa nous a rattrapé. C'est lui qui a les pneus les plus frais de tout ce pack. Et si c'était lui qui ramenait son épingle du jeu? Ah, il est à l'intérieur, mais il s'est rétracté. Il n'a pas voulu tenter. Et ça a profité à mon coéquipier ici qui va tenter de prendre la deuxième position. Nixon qui arrive par l'aspiration aussi. Peut-être la troisième ligne qui va être tentée. Et il défend également sur Timon en même temps. Ottawa qui arrive aussi par l'extérieur. Ça bouge vraiment dans tous les sens. Et Guillaume qui a réussi à dépasser cette Renault. Et Timon qui a réussi à défendre sur Ottawa, j'ai l'impression. Oui, c'est bon, ça tient pour l'instant. Et il y a aussi Louis Chardon qui arrive. On est 7 maintenant pour jouer le lead de la course. Et il ne reste plus que 2 tours sur ce Grand Prix de Melbourne. On a réussi à prendre un petit peu d'espace. Bah oui, forcément, ils ont tellement lutté entre eux que ça nous a permis de s'en sortir devant. Et mon coéquipier qui défend face à Kevin, ça a l'air de très bien tenir pour l'instant. Battez-vous pendant que je me casse devant, s'il vous plaît. Franchement, ça serait bien pour moi, ça serait bien pour mes miches, pour prendre ma deuxième victoire d'affilée, possiblement. Et mon coéquipier qui fait bien le bouchon, et ça, c'est une bonne nouvelle. Sauf que malheureusement, bah, ils m'ont rattrapé dans le virage suivant, donc du coup, je vais devoir les retenir. Un tour et demi restant, ça va être chaud. Ça va être chaud, et Guillaume par l'extérieur. Guillaume qui m'a bien eu par l'extérieur, et maintenant Kevin qui va tenter l'intérieur dans la chicane rapide. Et ça tient pour l'instant. Sauf qu'il va décroiser ici, et Nixon qui va faire la troisième ligne. Ça bouge en tous les sens, c'est la Renault qui est passée. Le gros freinage pour reprendre la deuxième position, et contact avec la Renault et Timoun qui se décale pour tenter de dépasser Nixon, mais ça ne le fera pas. Et Guillaume s'est définitivement enfui devant. Il a mis le gap, et je pense qu'il va gagner ce Grand Prix, mesdames et messieurs, à moins qu'il fasse l'erreur fatidique. Je pense que là, il est bien parti pour gagner. Il nous a tous bien eu. Et Kevin qui va prendre l'inspiration ici pour prendre la deuxième position, côte à côte dans la ligne droite ici. Et je pars dans le mur, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment je me suis retrouvé dans le mur, là? Je veux pas être la voiture en ligne droite, donc c'est lui qui m'a tamponné. Hein. Impossible autrement. Pff. Allez, ça se fait pas, là. Qu'est-ce qui... Il m'a bien tourné sur la gueule, là. Oui, mais il y a le bon coup de volant dans la ligne droite. Dis donc, ça fait la troisième fois là, non? Ça commence à faire beaucoup là, non? Je sais pas, hein, entre la Belgique où il me take out, Japon où il a bien failli me take out aussi, sauf que s'est mis dehors tout seul, et là l'Australie, il m'a mis carrément dans le mur. Non mais, ça va, hein. Ça va, tranquille le mec. Je te dérange pas trop, hein, vas-y, hein, te gêne pas. Un nouveau Grand Prix d'Australie s'achève sur une victoire amplement méritée. Alors Nicolas, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui selon vous? Je pense que leur gestion intelligente des pneus sur le circuit et un pilotage en douceur ont été la clé de la victoire aujourd'hui. Grâce à cette stratégie, ils ont su tirer le maximum de leurs pneumatiques de bout en bout. C'est l'heure de la remise des prix et une fois encore, c'est une victoire éclatante de Renault. Le losange a eu sa part de succès en F1 et aujourd'hui l'écurie prouve une nouvelle fois qu'elle est capable de nous faire vibrer. Félicitations à toute l'équipe.
Voyons comment ce résultat a affecté le classement des pilotes. Daniel Ricciardo peut se féliciter des points qu'il a gagnés aujourd'hui, car ils lui permettent d'augmenter encore son avance au classement. Alors Nicolas Martin, qui serait pour vous le pilote du jour ? Ah, ça ne peut être qu'Alexander Albon, sans hésitation. Il a été plus qu'à la hauteur aujourd'hui. Il vient de renforcer encore un peu plus sa réputation grandissante. Je sais que ce n'est pas l'avis officiel, mais je pense qu'ils méritent tous deux d'être sous la lumière des projecteurs. Ces deux pilotes étaient au top de leur forme aujourd'hui. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Aucun changement dans le haut du classement, mais après les résultats du jour, leurs concurrents se rapprochent. Williams a également obtenu un excellent résultat et progresse au classement. Après une course comme celle-ci, comment deviner qui va remporter le championnat ? Alors soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. Pilotage en douceur, oui, MDR. Ça s'est joué à 37 millièmes hein, entre Kevin et Nick Sam, ça s'est joué à très très peu de choses et Guillaume malheureusement qui a dû faire l'erreur fatidique puisqu'il a perdu son lead pour se retrouver 5ème de Mister Louis qui a fait une très belle course, hein. 13ème tout P4, franchement belle course à souligner. T-Moon qui complète donc le podium d'Octawa 6ème qui passe à très peu de choses hein, du podium, dommage. Ensuite on a Mysterion devant Jambon, Tovigno et Hugo McTavish qui marque son premier point. Cette saison, c'est lui qui marque du coup le premier point d'Alfa Romeo cette saison. Classement pilote Kevin VDL avec sa victoire. Pas du tout controversé, lol, PTDR lol, se retrouve avec 17 points d'avance sur Nick Sam au championnat. S'il y avait les pénalités, je pense qu'il se serait pris une disqualification dans la vraie vie. Kevin, c'est pas grave. Quoi, moi le somme ? Non, non, vous rêvez, voyons. Ensuite, on a les Mercedes de Timon et Jambon qui sont juste derrière. Nous avons les Toyota de moi-même et Guillaume. Ensuite, on a Auré Fox devant Noctawa. Ensuite, on a Tovigno, Traken, Franglais de Mister Louis, Belinda, Paul Van Der Ven, Romain FRK, Mysterion, Agatou, Hugo McTavish. Et donc, les deux seuls pilotes sans points sont donc Santino et Nox. Santino avec une nouvelle 11e place sur ce Grand Prix. En espérant qu'un jour il obtienne ses points, en vrai qu'il mérite, hein, vu comment il tracte son alpha. Hugo McTavish aussi mérite son point, mais c'est vrai que Santino, sur la longueur de la saison, c'est lui qui a été le plus régulier de l'équipe. Enfin, on verra bien comment ça se passe. Au classement constructeur, Mercedes garde son avantage, mais Formule Xono a bien rattrapé son retard et n'est plus qu'à 11 petites unités. Ensuite, on a Red Bull devant Toyota, Ferrari, Williams, McLaren, BMW Sauber, Toro Rosso et Alfa Romeo qui n'est plus vierge de points. C'est ainsi que ce Grand Prix d'Australie va se terminer. On se retrouve à Bahreïn pour la prochaine course en espérant que ça se termine pas comme ça, comme aujourd'hui. Parce que sinon, je pense que là, c'est absolument catastrophique. On fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a, et c'est quand on se fait mettre dehors comme ça alors qu'on peut jouer la gagne, c'est très frustrant, quoi, honnêtement. Et puis quand c'est ce même pilote qui gagne la course, mais il y a un moment, c'est... D'ailleurs, j'ai regardé de mon côté, il a même pas eu d'avertissement pour ce crash, hein, mais bon, c'est pas grave. Bon, écoute, c'est comme ça, c'est la vie, on va essayer de passer à autre chose pour le prochain Grand Prix, du coup, à Bahreïn. Et aussi, ce sera le retour de la Formule 2 cette saison. Donc un week-end qui sera bien complet. Allez, ciao les amis, ciao et portez-vous bien.